fidèles encore. Je tiens à le dire à la presse locale. Oui, vas-y, dis-le. Nous allons voir un très très beau discours de monsieur le maire. Un homme de qualité, hors pair, qui aime ce qu'il faut le dire. On a des talents. Et les talents étaient au nombre de 70 aujourd'hui, c'est en oubliant peut-être des métiers de bouche qui ne sont pas forcément là. C'est ça, la presse corrompue, je vous dis. Oui, c'est ça. Je filme tout le temps, je vous écoute tout le temps, c'est n'importe quoi. On vous l'a dit, on vous ment, c'est de la publicité, tout ça. Comment trouvez-vous cette manifestation de merde? Cette très très belle manifestation, qui est très bien organisée, de qualité, hors pair. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça vous a plu? Oui. D'accord. Encore une lémurienne qui n'ose pas s'adresser au public. C'est lamentable, je vais le dire pour elle. Je vais le dire pour elle, je vais le dire pour elle. Elle est sympathique, elle est mignonne. On l'a jamais vue vraiment ici. Bonjour, c'est de la vodka au premier étage. Demain, faites de la main. C'est un peu pénible quand même, qu'il y en ait jamais le soir. Lui, il est pénible. Super nul, ça n'a rien à voir. Franchement, je me casse. Que de la merde. Hein, voilà, j'avais raison, je l'ai dit. Moi, Et bonjour. Bonjour, c'est pour la presse locale. Pour la télévision. Ce monsieur essaie d'enfiler des paires de couleurs différentes. Ah bon? Voilà. Et comme il a Alzheimer, il ne sait pas trop lesquelles il va prendre. Il y en a qui ont l'intelligence de compter les perles et d'autres de les enfiler, tu vois. Mais on va faire une heure à la fois. Ces escaliers qui ont été empruntés par un des grands artistes qui a vécu ici, Driss Sansarslik, rendons-lui hommage, qui était un homme de grande valeur, qui à une époque, parmi une municipalité de crottes de cul, qui a décidé de le foutre dehors alors que ce bâtiment était entier à l'époque. Des planchers partout, il était merveilleux. C'était une merveille. On dit du mal là. Est-ce que ça a demandé d'organisation quand même, tout de même? Voilà, oui, oui. Donc c'est pas nul, hein? Absolument pas. Ok, très beau. C'est très beau, c'est très beau. Il y en a qui fait des pchons. Nous avons un droguiste, bonjour monsieur le droguiste. La drogue. Voilà. Alors là c'est vraiment que des produits illicites. Salut. C'est vraiment l'espace dealer. Salut les loups. Salut, ça va? J'attends. Nous avons un tatoueur qui déteste le tatouage et qui signe à la peinture. D'accord. Voilà, c'est un exemple. Je tiens à le dire, c'est l'un des plus beaux stands qu'il y ait ici. Le reste est de très très bonne qualité aussi, de très belles factures. Mmh. On peut le dire aussi. Mais là on a là, on frise l'excellence. Là. Tant pis, alors on va essayer. C'est une très très belle machine, assez étrange, qui permet de regarder des photos en relief. Des photos du lieu où nous sommes, en relief, mais d'une autre époque. D'accord, voilà. Alors c'est de mettre la caméra, mais je sais pas si ça va servir. En relief, non, pas vraiment, mais on peut voir une image quand même, on va voir ce que ça donne. On va même avoir au moins un modèle à plat, quoi. Voilà. Deux images légèrement séparées, un cerveau malade permet de reconstituer en relief une image. En relief, effectivement, Ça a du volume. Magnifique, ça a du volume, 1905, appareil photo 1905. Tout pour l'anti-interview, on fait l'anti-interview, vous auriez du mal à dire de cette... Qu'est-ce que vous avez de négatif à dire? Il fait chaud, oui, ça manque de ventilation, C'est cet enfant qui a réalisé ses peintures. Mais c'est l'artiste le plus précoce, je crois, de cette exposition. Comment s'appelle-t-il ou telle plutôt? Charlize. Ah, nos ouvriers, nos ouvrières. Les enfants exploités par Bouchon. Non, c'est pas ça. Non, faut pas le dire. On comprend un montage, t'inquiète. Qu'est-ce que vous avez à dire qu'il ne faudrait surtout ne pas dire aux organisateurs? C'est triste. C'est triste. On s'ennuie. C'est vrai? Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Il est tout à fait évident que nous n'avons pas été nourris du tout. Nous avons offert notre travail gracieusement. Nous n'avons rien à voir, nous n'avons rien à manger. Et nous ne sommes même pas considérés vraiment, même par le public. Les personnes qui exposent et les modèles, franchement, c'est vrai. Immonde. Merci beaucoup. Il y a des maquettes faites, on n'ira pas les voir, mais c'est des maquettes faites avec des allumettes. C'est un certain François Pignon, je crois. Ah, François Pignon, tiens. Ça me dit quelque chose, c'est il est connu. Un acteur très connu. Un acteur très connu, c'est ça. Qui fait un très bon travail d'allumettes. Ouais, je vois. Alors, continuons. Hélicoptère. Satellite. Oula. Que c'est un... Oh, bon vieux machin qui vole. Bonjour. Ah oui, vous êtes quand même un petit peu osé dans votre travail. C'est un petit peu pornographique. Donc là, je tiens à dire parental advisory avant de regarder cette photo. Le côté sentimental. Alors, full sentimental. Eh oui, il en faut pour tous les goûts. C'est la télé. C'est ça. Voilà. Il n'a pas voulu de moi pour poser. Il veut me venger. Cette discrimination. Je vais me venger. Allez. Donc je vais faire la pause de la danseuse pourrie. Allez. Oui, super. C'était beau, Ah, c'était beau, très beau. C'était très beau. Nous sommes dans la contre-télé. Donc c'est l'anti-interview. Donc il faut dire. J'ai rien à dire de négatif, moi. C'était positif. Alors. Mais négatif. Un truc vraiment qui a fait chier. Un truc chiant, quoi. Je sais pas, vous avez pas pu boire, vous avez pas mangé. Ouais, voilà, j'ai pas eu l'apéro. Ah, voilà. Ça, c'est vraiment. Mojito. Pardon, répétez. Mojito. C'est l'anti-interview anonyme, allez-y.
Qu'est-ce qui manquait, alors, madame? Oui, je cherche les pneus, notamment neufs. Évidemment, le Morito. Les pneus neufs pour mon vélo. Ah oui, bah oui, le pneu. Mais c'est vrai qu'il a l'air un peu fatigué, celui-là. 1930, regardez la... 1927, il est grave. Je me demande, vu la finesse du cadre, si c'est pas un Blériot, d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais. C'est mon portrait, voilà. Je trouve qu'il est raté quand même. Moi je trouve qu'il est raté. Moi je vois un certain air quand même. Oui. Il y a une petite ressemblance. Quand même. Elle est très timide. C'est certainement l'artiste la plus timide. Alors nous avons ici un calligraphe. Oui. Ah oui. Voilà, c'est difficile à prononcer. Calligraphe. Calligraphe. Oui, oui. Avec des H et des P. Comme Calimucho, mais. Mais dans l'écriture. Mais plus dans l'écriture. Voilà. Très bien. La contre-interview. Quelque chose de négatif. Un truc qui fait chier ici. Un truc de merde. Il fait quand même super chaud. Ah ça on l'a déjà eu, un autre truc pourri. Il fait quand même super chaud. Non mais ça on l'a déjà eu, un autre truc pourri. On veut autre chose, une pourriture intéressante. Je n'ai pas de pourriture intéressante. Putain, encore un qui est content, quoi. Oh, oui. La merde. Allez, viens, on se casse. On se casse. Désolé. Il y en a marre, c'est un succès, j'ai l'impression. C'est un succès. Bon, évidemment, le corps a été fait plus tard. Ah, j'aime. Visiblement. C'est un rajout. Voilà, visiblement, c'est un rajout. Mais il n'est pas dans les mêmes dimensions. Non, c'est pour ça que, bon, voilà. On reste c'est un pas peu. La même personne. Oui, d'accord. Parce qu'elle, elle était moche. C'est pour ça. Elle était toute plate. Ah, c'est Louis Brooks, toute plate. D'accord, donc ils ont pris d'accord, une doublure corps, une doublure Nibar. Bon, voilà, d'accord. Oui, un truc dégueulasse à dire dessus. Alors, chaud, c'est fait. Chaud, c'est fait. Voilà. Qu'on n'est pas nourri, c'est fait. Qu'on n'a pas à boire, c'est fait. Faut trouver un chose. Truc. Les gens s'arrêtent pas au stand. Romagné, on les gens peut ne dire que le rien. Lémurien est con. Voilà, le Lémurien est con. C'est vrai que c'était connu, mais là, c'est officiel. Le, ouais. Vous pouvez le dire, ouais, peut-être bah, le Lémurien est con. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes Lémurien, non? Bondigounaise. Ah, bon, ah, c'est pour ça qu'elle regarde. Et voilà. Bon, Bondigou représente, voilà. Ah ben, voilà. Est-ce que ça vous plaît au moins? Oui. Oh. Et ben voilà, ah, ça s'est ben fait. Voilà. Bondigou, on s'est aperçu que les gens de Villemur ne regardent jamais les œuvres. Les gens de Bondigou, oui. C'est bizarre. Ah, mais si, moi je suis de Villemur et je regarde. Et vont ah, je pense qu'elle est sous influence. Ouais. Je pense qu'elle est sous influence. Elle vous droguait. Elle vous passait voir le jeune là en bas qui faisait la peinture bizarre. Oui, vous avez un et peu... non, pas encore. Ah bon. Allez-y, vous allez voir, c'est très bon ce qu'il vend. Okay. Très bien. Et vous pouvez voir, vous avez une très belle tapisserie. Ouais, très beau. Allez, dire, mais c'est ah donc c'est donc digital. Donc c'est donc ça du digital. C'est ça. C'est le travail de Thierry Morel. Donc d'accord. Très très beau. Très beau boulot. Magnifique. Ouais, je dois dire. Ah ben, tiens, ben là, ça, c'est une des filles qu'on fait la bonjour, bonjour. Ça va bien, ça va et toi? Ouais, ouais, c'est bon, voilà, on est là. On est là. Non, je suis journaliste maintenant, avec mon ami Émile. On est là. On est dans la contre-télé, quoi. Super, génial. Voilà. Je fais des interviews, idiot. Voilà, voilà. Bon, allez, à ta plus. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, on a fait le tour, il me semble, ouais. C'est joli, hein, en tout cas. C'était bien, hein. Ah, c'était bien, belle promenade, je suis très content. Moi, je pense qu'on va pouvoir se quitter sur le... Bon, eh ben, on va se quitter sur cette image. C'est classique. Un ancien vieux groupe toulousain qui est mort depuis bien longtemps. Ah, dommage. Cher public, je tiens à vous dire et à vous saluer. Et comme disait, d'ailleurs le grand poète sénégalais Pierre Desproges, public chéri mon amour, à bientôt. Coupé. Décalé.